Question du bureau définitif du Sénat. La bataille des candidatures est lancée. Titre Forum des As. La présidence du Sénat, poste clé de l'institution, fait l'objet d'une compétition entre trois candidats. Samalou Koundé se présentant comme indépendant et Jonas Moukamba. L'IDPS est également sur le départ avec Afani Idrissa Mangala. Ce trio promet un scrutin serein pour la direction de la Chambre haute. Pour sa part, le journal annonce une rude bataille au Sénat. À lui seul, le poste de président du bureau annonce rude en poignardant de l'or qu'il va mettre aux prises les doyens d'âge des sénateurs, l'honorable Jonas Moukamba, qui avait déjà pointé la présidence du bureau provisoire sans l'occuper pour des manœuvres dilatoires à Samalou Koundé, qui joint dès la confiance du chef de l'État qui a pratiquement imposé sa candidature à ses postes. Aux élections de membres du bureau définitif du Sénat, la plateforme Union Sacrée pour la Nation constate la référence à plus IVA, presque en ordre dispersé à tous les niveaux. De son côté, la prospérité craint l'implosion de l'Union sacrée de la nation. L'essor destiné à l'Union sacrée finira par s'accomplir, écrit le journal, à 4 jours de l'élection et de l'installation du bureau définitif. La plateforme présidentielle ne se met toujours pas en accord pour un ticket. Après les dépôts des candidatures à Salomo Idi Kalonda, les CG de l'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, relayé par actualité.cd, a indiqué que sa famille politique compte pleinement son rôle en tant qu'un parti de l'opposition républicaine. L'enregistrement renseigne Média Congo se poursuit jusqu'à ce mardi avant la publication de la liste définitive prévue pour ce jeudi 8 août avant la campagne électorale et l'élection proprement dite. Politique encore, Claudel Lubaya et Seth Kikuni annoncent la tenue d'une séance plénière d'une branche de l'opposition de la société civile ce mardi 6 août. D'après ces opposants cités par Actu30.cd, cette rencontre est consécutive aux consultations qu'ils ont entamées depuis le 18 juin dernier dans la démarche de voir l'opposition transcender ses clivages habituels et se rassembler en cette période cruciale de l'histoire de la République démocratique du Congo. Avant de terminer, en justice, ACP.cd rapporte que 72 prévenus accusés d'avoir vandalisé un immeuble à conflit voisin de l'une des résidences de l'ancien président Joseph Kabila ont été identifiés hier lundi devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance au commissariat provincial de Kinshasa. Après identification, le tribunal s'est dessaisi au sujet des 7 prévenus mineurs et a demandé au ministère public de les déférer devant leur juge naturel qui est le tribunal pour enfants. L'ex-première dame Olive Lembik ajoute actualité.cd s'est constituée partie civile dans l'affaire de l'attaque de sa résidence. Le président de la République honoraire Joseph Kabila, elle réclame par ailleurs des réparations. Pendant ce temps, 7 sur 7 nous informe que 2 autres parties civiles se sont également constituées au cours de cette audience, à savoir Monsieur Kamoul et Madame Kabamba. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et débat. Nous avons 2 thématiques. La première, c'est les élections au Sénat entre la compétence et le poids politique. Et puis,
La gestion de la ville de Kinshasa, les gouvernements investis, l'air est aux remises et reprises. À quoi peut aboutir les intentions de Daniel Mbumba? Nous allons y revenir. Et pour terminer, négociation RDC-Rwanda, que pouvons-nous attendre de cette démarche pour mettre fin après le début du cessez-le-feu? Et pour en parler, nous avons Maître Jean-Pierre Ngalula, analyste politique proche de l'opposition. Maître Jean-Pierre, bienvenue. Merci beaucoup, mon ami. Merci également à mon co-débatteur dont nous nous sommes rencontrés à ce jour. Et merci également à tout peuple congolais qui va devoir nous suivre. Je suis ici en train de leur demander de tenir bon. Dieu seul va nous aider et nul n'a demeuré éternellement au pouvoir, surtout lorsque la population est en train de souffrir. Parce que vous êtes victime d'une imposition d'un régime génocidaire économiquement et financièrement, pillage, détournement, mode de vie de ce régime. Vol en cascade, incompétence au sommet de l'État, tâtonnage au sommet de l'État, les stagiaires dans la gestion de la res publica ayant rendu tout à ce jour très cher, la vie invivable, vaut mieux l'enfer que avoir ce régime. Tenez bon, un jour, le peuple seul prendra ses responsabilités et vous serez libre de voter et de mettre en place les gens auxquels vous-même vous serez responsable que vous avez élus, pas les gens qu'on vous a imposés. Merci également aux animateurs des régimes, des institutions illégitimes et illégales en République démocratique du Congo. Nous vous saluons, l'unique régime dans le monde où quelqu'un peut être président de l'Assemblée national et redevenir deuxième vice-président très à l'aise. Quelqu'un peut être président du Sénat et redevenir deuxième vice-président très à l'aise, alors qu'il y a des gens, alors qu'il est en train de vivre avec d'autres sénateurs, d'autres députés, mais il dit non, non, le gâteau appartient à moi-même et je dois mourir sur scène. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre Galola. Il n'est pas seul. Monsieur Pitre Mukendi, expert en marketing politique et cadre du parti politique REP. Cher Jules Pitre, bienvenue également. Merci beaucoup, cher Daniel. Je salue mon co-débatteur du jour, Jean-Pierre Galola, que je rencontre pour la première fois. Très bien. Je Merci. vois qu'il me met déjà à l'aise par sa rhétorique. Je salue tous les grands publics, les grands téléspectateurs de la chaîne et surtout de l'émission. Merci. Je sais que cette émission a toujours été une émission républicaine. Merci. Il y a du... De la maladie, je demande ici à tous les pasteurs congolais d'organiser un culte spécial afin de prier pour notre chef de l'État, afin qu'il puisse revenir, continuer avec ces régimes, parce qu'il n'y a personne qui peut accepter ces régimes, peut-être que lui seul, s'il peut revenir occuper ses fonctions et plus rapidement nous ramener en 2028, afin que le peuple congolais puisse mettre non seulement lui et son régime hors état de nuire et mettre le pays sur le boulevard du développement. Donc c'est tout ce que j'avais. Très bien. Je sollicite que nous puissions prier pour le chef de l'État. Il n'est pas notre ennemi. C'est l'unique chef de l'État que nous avons. Très Je bien. prie également que Dieu les garde, que Dieu les sauve, bien que les indices des échos de cette maladie nous semblent inquiétants et créant ainsi notre inquiétude quant à cela. Mais nous tenons bon et nous prions que Dieu les garde en vie, qu'il demeure. Cher Jules Pitre, à vous également, est-ce qu'il y a un avant-goût avant d'entrer en détail de nos thématiques? Je voudrais dire que le chef de l'État peut tomber malade. C'est une personne et son état n'est pas inquiétant, comme le dit mon frère. Je crois que l'un de ces quatre matins, il va revenir et il reviendra à pompe et le peuple va le recevoir une fois de plus. Donc, les nouvelles sont bonnes, chers amis, je vous apaise. Et donc, les choses vont bien aller. Mais ce dont
Ce matin, mon biscuit pourrait être, Daniel, ce que je dénonce comme étant... on est en train de déplorer le commerce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la rue avec des malades. Ça, ça commence à toucher un peu, ça dérange. Vous vous rencontrez dans le coin de rue, dans le rond-point où on expose un malade en plein jour et on commence à faire, à implorer la pitié des gens pour que les gens viennent cotiser. Et je me demande jusqu'où on va aller avec la gestion de la cité, de la ville de Kinshasa. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose que nous devons déplorer. Ce sont des habitudes qu'il faut arrêter parce que ça ne va pas. Hier encore, on a vu qu'il y a des gens qui pouvaient comme ça rassembler leurs cagnottes. Et puis après, je vais dire, la répartition de la cagnotte a posé défaut. La famille de malades avait demandé un pourcentage un peu plus élevé, ce qui n'a pas été fait. Et puis, ça créait un combat dans un rond-point. Donc ça, c'est des choses que les autres, si les autorités de la ville m'écoutent, tous qui ont une parcelle de pouvoir dans la ville, essayez un peu de réguler. C'est un domaine qui, de plus en plus, devient très alarmant. C'est à la limite dénigrant que de voir qu'on expose quelqu'un qui est malade, qui souffre, et puis on essaie de demander. Je crois qu'il y a un ministère des Affaires sociales, je crois qu'il y a des structures comme ça qui peuvent prendre en charge ces gens. Question de s'orienter vers, de les orienter vers cela, mais je crois que l'autorité de l'État, plus proche de nous, c'est d'abord au niveau de nos communes, au niveau de la police et autres. Donc, s'il y a lieu d'apporter votre malade là-bas et de poser votre problème, ça serait différent au lieu que l'on assiste à ce spectacle-là qui est un spectacle désolant. Vraiment, c'est mon biscuit de ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Pitre. Alors, la première thématique, les élections du bureau définitif du Sénat, la bataille des candidatures est lancée. Maître Jean-Pi, votre analyse. Merci beaucoup. Vous avez parlé entre compétences et quoi ? Poids politique. Poids politique. Merci, messieurs les journalistes. Je suis totalement inquiet que l'IDPS, avec son conglomérat de destructeurs du tissu social de la République démocratique du Congo, nous impose des spectacles qui ne nécessitent pas être vus deux fois. Ici, nous avons un problème dans notre pays. Le problème est que, à ce jour, le souci de développer le pays, le souci de voir la misère de la population est mise de côté. Le grand frère venait de vous dire qu'il est contre les gens qui sont en train de quémander avec les malades en route. Moi également. Mais comment ces gens-là sont arrivés jusqu'à ce niveau-là? Moi et lui, on voyage. Est-ce que nous voyons ces spectacles-là dans d'autres pays? On prend un malade, on commence à demander avec lui, avec des baffles, on crie, on met des chansons religieuses. Est-ce que ça se fait dans d'autres pays du monde? Non. Vous savez pourquoi? C'est parce que là-bas, les régimes qu'on a mis en place par leur président de la République a fait de la sorte que les ministères ayant l'attribution de ces gens-là fait bien leur travail. Et là, au moins, mais les gens sont en train de se battre pour l'intérêt de la population. Par contre, ici en République démocratique du Congo, c'est la politique de « je dois mourir sur scène ». 82 ans, 86 ans, Mbosso dit non. Il faut ici, ça doit commencer par ici. Les liens de transfert en urgence dans un hôpital. Je ne peux pas laisser à un député jeune d'occuper ça. Tu dis, je ne peux pas laisser. Mais comment Mbosso, vous avez accordé à Mbosso et moi vous allez refuser. Mais dans l'entretemps, quel est l'intérêt de la population? Pendant qu'ils sont en train de se battre là, les M23 sont en train d'avancer. Est-ce que, je me demande,
Barat, y a-t-il quelque chose encore de plus nécessaire qu'il peut donner à la population au perchoir du Sénat qu'il n'a pas pu donner quand il était encore président du Sénat? Est-ce qu'il a quelque chose qu'il a oublié de donner à la nation? L'expérience. Monsieur, quelle expérience? L'expérience qui a apporté quoi sur la nation depuis qu'il était ministre de l'économie? Entre autres, scandale sur scandale. Mais là, ce n'est pas mon inquiétude. Je me base plus dans le fait que l'Union sacrée a écouté que la FCC pouvoir. L'Union sacrée est en train de préparer le retour de Kabila dans de bonnes conditions. Comment voulez-vous, lorsque vous prenez, par exemple, l'Assemblée nationale, mais c'est un kabiliste qui gère ça. Vrai ou faux? Vrai. Lorsque vous prenez tous les candidats dans la majorité qui sont pour le Sénat, ce sont tous les kabilistes. Mais c'est eux qui nous ont parlé de la géopolitique. Qu'est-ce qui fait qu'à l'Assemblée nationale, je ne suis pas tribaliste, ni moins encore encourageant de cela, mais qu'est-ce qui fait que à l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un de l'espace swahilophone, et de l'autre côté du Sénat, c'est encore le swahilophone qui prennent. Mais écoutez, ce n'est pas du logique. En réalité, ça devait être l'espace équateur qui devait avoir ça. Je sais que Guy Londo, c'est un sénateur aussi, également, ça devait peut-être à l'air revenir. En tout cas, c'est du plein droit. Mais qu'est-ce qui fait que ça soit la même personne? Et plus grave, ce sont les anciens du FCC. Donc Kabila avait dit, je n'ai pas 15 personnes autour de moi. Et ce sont ces conglomérats de Kidianfo, excusez-moi les termes, je ne dis pas eux, les gens que Kabila avait chassés pour n'avoir rien fait, détruit son image et la nation. Ce sont les gens aujourd'hui qui composent avec Félix dans l'Union sacrée. J'ai vu le vieux qui se présente pour un rep. Mais c'est, nous sommes ici entre FCC, FCC sur le plateau. Ah mais oui, je ne crois pas que vous allez dire que Bahati, Kabila était mauvais et Bahati est bon. Alors qu'il était ministre de l'économie, et bien de Kabila. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que l'ancien gouverneur du Maniema, qui a mal géré Maniema, qui veut prendre aujourd'hui le Sénat, vous n'allez pas me dire que il fera plus mieux, ou il est plus mieux que Kabila, ou il avait composé avec lui. Vous ne pouvez pas me dire que Guy Luando est aujourd'hui alors plus bon et Kabila est plus mauvais. Mais ce sont les gens qui étaient sous les barbes de Kabila qui ont géré avec Kabila. Et si vous le trouvez bon et vous trouvez Kabila mauvais, est-ce que c'est la logique? Je n'accepterai pas que demain, qu'on puisse dire que Tshisekedi est mauvais et Kabuya est bon parce qu'il a changé de camp politique ou parce qu'il a fait du transhumance. Je serai contre et je vais me tenir à cela et je dirais que ça serait un raccordement frauduleux qui ne tiendra pas debout. Okay. Donc vous allez comprendre qu'ici, nous avons un régime qui n'a pas les soucis de la nation. Le souci, c'est que je gagne les postes, je mets mes enfants, et dans l'entretemps, ils abandonnent la population. Ils sont en train de dober chaque jour l'esprit de la population à tel point qu'on ne sait pas à qui est-ce qu'on peut se confier exactement. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre. Alors, cher Jules Pitra, votre analyse par rapport aux élections, avant d'analyser un peu la monture et quelques candidatures. Merci beaucoup, cher Daniel. J'ai suivi avec beaucoup d'attention mon co-débatteur, Maître Jean-Pi. C'est ça, non, Jean-Pi Ngalola? Oui, Jean-Pi Ngalola. Vraiment. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Mais je voudrais lui dire d'abord d'emblée ce qu'il doit savoir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, il ne se dérange pas trop s'il voit qu'il y a des gens qui peuvent changer de camp. Le problème, c'est la volonté politique de celui qui est à la tête. Celui qui est à la tête, s'il décide qu'il y ait
la gratuité de l'enseignement, il y en aura. Ouais. Celui qui est à la tête, s'il décide qu'il est l'IGF avec beaucoup plus de poids pour poursuivre les délinquants financiers et économiques dans le pays, il le fera. Et donc, on ne crée même pas des textes. Les textes sont là, on a seulement une certaine volonté. Mmh. Donc, pour moi, je ne vois pas pourquoi on acquiserait aujourd'hui Bahati ou on acquiserait Kamere ou autre. Dès qu'il a accepté de marcher avec Tshisekedi, désormais, c'est à Tshisekedi qui revient toute la responsabilité. Ça, c'est... Donc, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ça, c'est une question. Dire que nous sommes FCC, FCC, je ne vois pas... je ne vois pas de lien, je ne vois pas de lien par rapport au principe que je suis en train d'annoncer ici. Mais après, maintenant, revenons au Sénat. Au Sénat, ce que Jean-Pi doit aussi savoir, c'est que la lutte politique, on se bat en politique pour arriver à atteindre le pouvoir et à le garder le plus longtemps possible. Donc, moi, je trouve que c'est de leur droit que des responsables politiques pensent que si hier il était président, et qu'il peut aujourd'hui devenir vice-président ou deuxième vice-président. C'est leur droit parce que ce sont des organisations privées. Les partis politiques et les regroupements politiques sont des organisations privées qui mandatent le responsable. Et donc, si chez eux, ils ont trouvé qu'ils peuvent reconduire celui-là, c'est de leur droit que de le reconduire. Mais après, s'ils veulent qu'on fasse une étude de la morale, là, je les rejoindrai un peu pour dire, ah ben non, vous avez quand même travaillé un moment, il y a lieu de laisser la place aussi aux autres de faire quelque chose. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut retenir. Mais maintenant, qu'est-ce que je constate dans cette course vers surtout le au sein de l'Union Sacrée, de l'Union Sacrée, des gens qui parce que de manière nous avons remarqué qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait quand même eu de primaires, comme on les avait appelés. Ça nous avait permis à ne pas voir les gens aller en ordre dispersé. Quand les gens vont en ordre dispersé, ça renvoie un peu une image de manque ou de confiance. Vous voyez, et ça ne donne pas une bonne image auprès de l'opposition, auprès de la population qui vous suit. Je vois qu'il est en train très vite de prendre l'aspect selon lequel est-ce que la population s'y retrouve ou pas. Mais ça, ce sont les organisations politiques, c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Quand il y a des élections, les gens s'étiraillent à gauche et à droite. Ce n'est pas pour autant que la vie sociale du pays n'existe plus. Parce que les institutions du pays sont là, elles sont en train de fonctionner normalement. Les fonctionnaires ont leur part, les responsables, tout est en train de vivre normalement. Mais seulement, on veut, comme on est en démocratie. C'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le moins mauvais des systèmes politiques, ce n'est pas le bon. C'est le moins mauvais des systèmes politiques. En politique, il y a toujours des histoires qu'on va dire et redire toujours selon nos organisations et selon les terrains dans lesquels cette politique est en train de s'appliquer. Donc pour moi, ici, je crois qu'il y a une faiblesse au niveau de l'Union Sacrée. S'ils étaient passés au niveau de ce qu'ils ont, appelé, je crois, le présidium, pour essayer de parler et entre eux, trouver des candidats et une ossature déjà, accepté par tous, ça serait beaucoup plus facile. Mais maintenant, on a comme l'impression qu'ils y vont en ordre dispersé et que chacun va faire valoir son pouvoir. La responsabilité incombe à qui ? La responsabilité incombe un peu à l'UDPS. À l'UDPS ? À l'UDPS, parce que l'UDPS aujourd'hui se présente comme étant le dénominateur commun de cette Union Sacrée. Quand l'UDPS n'avait pas de embrouilles comme nous l'avons vécu il n'y a pas longtemps, on pouvait voir des primaires se tenir pour les élections de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, l'UDPS s'est présenté dans une situation d'embrouille où on a vu qu'il y avait des combats de positionnement dans l'UDPS et autres. Alors on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un ciment autour de l'action qui s'est faite au Sénat. Est-ce une stratégie politique? Est-ce un accident? L'avenir nous en dira plus. Mais quand on observe, on se rend compte qu'il y a eu comme un désordre boutiqué ou un désordre voulu pour qu'on en vienne à cette situation. Il ne faut pas oublier que le président du Sénat est pratiquement comme le dauphin du chef de l'État. C'est la crainte à quel niveau? Voilà, à l'absence du chef de l'État, le président du Sénat peut se présenter. Et donc, je crois que c'est aussi un combat du dauphinat qui se présente à ce niveau-là. Mais nous aussi, nous pensons que Sam Alukonde est un candidat potentiel. Après avoir été Premier ministre, je crois qu'aujourd'hui, il a un peu tout le pouvoir de devenir président du Sénat. Même si nous savons
que la majorité revient à l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui a le plus grand nombre de sénateurs. Et aujourd'hui, l'UDPS nous présente Idrissa Mangala, qui est de Kindu, de la province de Maniema. Et il y a aussi ce conflit-là un peu dans nos pratiques. On aime voir la géopolitique, comme était en train de dire mon frère, comme le président est du centre, la première ministre est de l'ouest, on a déjà Kamir de l'autre côté. Les Équatoriens auront voulu aussi que le président du Sénat vienne de chez eux. Les gens de qui nous disent que dans toute l'ossature ou dans toutes les organisations, ils ne se sont pas vraiment retrouvés. Et que voilà aussi une occasion pour eux. Ça, c'est dans ce qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est dans le pratique de la politique au Congo. Le Congo est un pays continent. Et chaque fois qu'il y a des représentativités dans les grandes institutions, on aime que la géopolitique se retrouve et ça crée un certain équilibre. Et donc, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, je crois que le petit souci est venu de l'UDPS. Mais j'espère seulement que à chacun va transcender les égos, les humeurs, pour essayer de trouver le bon candidat qui ferait, qui ferait que tout le monde se retrouve. Sinon, si on y va... On a reçu le profil des candidatures, on voit mon combat, M. Jean-Pim l'a dit, l'a déjà, les poids d'âge, vous sentez que, est-ce qu'il saura tenir devant ces sénateurs ou c'est juste un habillage? Non, bon, le Sénat est déjà compris comme une chambre de sages. C'est la chambre de vieux. Je crois que s'il peut encore tenir aujourd'hui, s'il marche, c'est bon. Vous vous rappellerez que M. Moukamba a même réclamé le poste du président provisoire parce qu'il avait une situation délicate avec son élection. Mais je crois qu'il était le plus vieux. Je crois que là, déjà, il avait déjà presque eu le goût ou peut-être qu'il a eu des promesses dans ce sens. Et donc, si aujourd'hui il se présente comme candidat, et puis des partis alliés à l'IDPS, c'est là où ça dérange un peu la sentiment populaire. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Quoi veut jouer l'IDPS? C'est ça la question. Mais c'est ça la question. C'est pourquoi je vous dis, est-ce que le désordre qu'on a vécu dans l'IDPS, c'était un accident? Bien, c'était une volonté qui cachait ce que je suis en train de dire là. Ce sont des analyses qu'on peut faire si on essaie de réfléchir à haute voix pour comprendre ce qui se passe. Mais l'avenir nous en dira encore plus. On va comprendre. Mais tout ce que nous leur demandons, c'est qu'il ne faut pas continuer sur cette marche parce que ça c'est comme si ça augure une implosion. C'est de créer des frustrations. Ça augure une implosion. Je crois qu'il faut très vite faire que tout le monde rentre sur la même table et on essaie de parler désormais. Parce qu'on a vu pour l'Assemblée nationale, les présidiums se réunissaient quand même, mais autour du Sénat, de l'élection du Sénat, on a comme l'impression que les gens ne se sont pas vraiment réunis pour trouver, un casting qui revient ou qui met tout le monde d'accord. Ok, merci beaucoup, cher. Alors, Maître Jean-Pierre, les profils idéaux, vous avez quelques noms qui circulent déjà. Est-ce qu'il y a un nom qui vous inspire, qui peut tenir, qui peut prendre les bureaux du Sénat? Mon frère, il faut commencer par comprendre que je suis parmi les gens qui militent et qui continueraient à militer qu'on doit dissoudre et chasser, abolir cette histoire du Sénat, qui ne constitue absolument rien pour la nation, qui ne sert à rien. Une chose budgétivore bidon pour la République. Je dis, je pèse mes mots, le Sénat ne sert à rien pour le Congo. Ça sert à rien. Sans le Sénat, tout peut évoluer normalement dans le pouvoir législatif en RDC. Et que d'ailleurs, ce sont des nimbères. C'est une maladie du sommeil. Il vous dort comme s'ils n'ont jamais eu de lit à la maison. Mais quand vous passez, écoutez les montants qu'ils touchent, beaucoup, pour ne rien faire. Et ils se sont permis, dans le lot de détourneurs, on les a cités aussi, les sénateurs, soi-disant la chambre haute, la chambre des sages. Mais lorsqu'on attrape un sage voleur dans un village,
que demeure encore l'arbre à palabre. Il faut la détruire. Il faut le détruire. Ici, il faut comprendre ceci, mon frère. J'ai commencé à planter d'abord le décor, j'avais voulu sa réaction pour bien rebondir. L'IDP est en train de jouer avec les faits. Et les vrais politiciens de l'Union sacrée, comme les Guy Luando, observent ça et ils sont en train de les laisser se rouler dans la boue. Et pour récupérer la situation en 2027 et les contraindre même à fuir les pays ou aller en exil. Je vais vous dire. Allez-y. Comment expliquer que les postes du Sénat, il vous a dit, c'est le dauphin naturel juridique du chef de l'État, permanent. L'autre, il va nommer peut-être quand il va arriver vers la fin du mandat. Mais le président du Sénat, c'est le dauphin naturel et c'est le dauphin juridique du chef de l'État. Je peux dire que c'est son premier conquérant pour le pouvoir. À tout moment où le chef de l'État peut décéder, à tout moment où il peut avoir une maladie, à tout moment où il peut avoir de l'empêchement, ne le permettant pas d'occuper les fonctions d'office, c'est le président du Sénat. Mmh. Et vous jouez gratuitement cela pour proposer un monsieur comme étant Samalou Kondé. Mais ça, c'est craché sur le mémoire des Congolais. Samalou Kondé a échoué partout où il est passé. Samalou Kondé ne peut pas avoir même un poste comme chef du quartier en République démocratique du Congo. Si on est logique, même pas un bidet de classe. Ça, c'est aller encore plus loin. Même pas comme administrateur du marché. Samalou Kondé ne peut pas occuper même un seul poste de l'administrateur Yabafoul au Congo. Non. Pour avoir dirigé un gouvernement qui a distingué en vol, en détournement, introuvable sur le plan mondial. Il est le premier. Ses ministres sont détournés à l'œil nu sous son aveuglement administratif. Il avait quelle décision ? Quelqu'un qui a échoué dans la gestion d'un petit groupe de gens, n'est-ce pas, du gouvernement. Pensez-vous qu'il va bien gérer 100 personnes du Sénat? Pensez-vous qu'il sera capable de s'opposer pour gérer, pour décider correctement sur la République? Mais ça, Samalou Kondé ne mérite rien du tout dans ce pays. Mais quand quelqu'un comme ça, vous le récompensez. Allons même sur le poids politique. Il vous a dit, il a combien de sénateurs pour occuper ces postes-là? Allons maintenant, même sur le plan même des rendements politiques même. Qu'est-ce qu'il a fait pour la République? Allons même dans son dernier poste du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ces ministres ont volé de l'argent. Ces ministres ont détourné l'argent. Et la déduction, la bonne déduction dans la gestion administrative voudrait que si on tente de faire des enquêtes, on risque de les trouver à l'intérieur. Parce que les sommes dont on cite là ne peuvent que sortir que si le Premier ministre est au courant. Et c'est comme quelqu'un comme ça, où la population en a marre. Il quitte le gouvernement, il a laissé les dollars à combien? C'est à 28 500 qu'il quitte là-bas. Il n'a pas pu gérer même l'embouteillage à Kinshasa et au Congo. Il a laissé la guerre. Maintenant, il est parti là-bas, vous le récompensez. Prenons celui qui vient de Kiev. Idrissa. C'est encore un scandale. Qu'est-ce qu'il a fait Idriss là-bas? Bon. Scandale sur scandale. Prenons maintenant notre pépé, Moukamba. Les sages. Qu'est-ce que vous appelez sage? En psychologie, ce n'est pas moi. Renseignez-vous. En tout cas, ce n'est pas moi. À cet âge-là, les psychologues, les psychiatres vous disent que toutes les facultés mentales ne sont plus en bon état. Et que d'ailleurs, il ne peut pas raisonner trop, sinon ça va le pousser à mourir avant. Il doit rester dans un endroit où on peut le faire rire beaucoup et puis jouer avec lui, les raconter des histoires. Okay. C'est quelqu'un comme ça que vous prétendez mettre à la place. Alors que moi, Ngaloula Jampi, très intelligent que je suis, je vais mourir avec cette intelligence-là. Parce qu'il y a des vieillards qui veulent mourir sur scène comme Papa Wemba.
C'est ça ce que vous voulez. C'est ça la République que nous allons gérer. Est-ce qu'il n'y a pas de sénateurs jeunes? Papa, j'ai pu faire un petit voyage. Hein. J'ai regardé l'administration à Mindele, même les députés à Mindele, dans la plupart des cas, sont des très jeunes. Parce qu'on dit en science comme ça, qui a raison en science, c'est celui qui vient de lire le dernier. Est-ce que vous comprenez? Tu as compris ça? Qui a raison dans un débat de la science, c'est celui qui vient de lire le dernier. Mais nous qui venons de lire le dernier, avec une matière actualisée, on nous refuse. Quelqu'un qui a étudié à l'époque où ses enseignants aujourd'hui, là où ils sont poussières, il n'y avait rien comme Android, il n'y avait... Nous là, on nous met de côté, on prend que des vieillards là. Les apéprismes du cimetière. Les gens dont les cimetières réclamaient les morgues chaque jour venaient te reposer. Tu as beaucoup travaillé au monde. Ce sont les gens comme ça qu'on autorise à occuper des postes au mépris de nous les jeunes. Et après ils vont dire non les jeunes, les jeunes. J'ai entendu le co-débatteur parler de la gratuité de l'enseignement. Il faut éviter de dire ça à Kouloutou. Ça s'est craché sur notre mémoire. Motouana Kotia Zemi, Asala, il est mal payé. Il n'est pas sécurisé. La justice congolaise est monnayable à tous les niveaux. Il ne peut pas se plaindre quand il est victime de quelque chose. Il paye la maison en dollars. La loi dit qu'on paye en francs. Avec quel taux l'État le paye combien? C'est quelqu'un qui aura courage de mettre au monde. Mais allons plus loin. Les chefs de l'État marchent souvent avec un petit garçon-là comme ça, chaque fois. Est-ce que le vieux peut me dire, cet enfant-là, étudie dans quelle épée, dans quelle école publique de l'État, à Kinshasa, ici? Est-ce qu'il peut me citer 5 ministres qui ont eu dont leurs femmes ont mis au monde dans les hôpitaux de référence de la RDC? Mama Yembo, Mabanga, et ainsi que les autres. Où? Qu'est-ce qu'il a mis au monde là-bas pour nous prouver que c'est bon? Donc, on nous trouve, nous, les cobayes. Allez mettre au monde, même si vous ne mangez pas, c'est gratuit. Allez mettre vos enfants dans l'école les écoles où nous, on ne met pas nos enfants. Est-ce que les enfants de Guy Luando étudient dans les écoles publiques de l'État? Parce que on est à peu près, mais de l'âge, et c'est une excellence, je les respecte. Mais en âge, il y a 2 ans ou une année et demie, je crois. Mais est-ce que ces enfants, avec mes enfants, peuvent avoir le même âge? Est-ce qu'ils sont dans l'école privée? Les profils publics. Les profils idéaux, dans tous ces gens-là, il n'y a pas un profil idéal. Tous ces gens-là sont à chasser très rapidement. Je pourrais accepter avec amertume et avoir fermé les yeux. Peut-être Guy Luando. J'ai dit avec beaucoup d'amertume et fermé les yeux. Ivre d'ailleurs. Pour accepter qu'on mette même Guy Luando. Okay. Pourquoi? Parce que c'est une énergie renouvelable. Ce sont les gens qui ont vécu avec la population. Okay. Vous comprenez? Ce sont les gens qui viennent avec la population. Ce sont les jeunes comme nous. Il peut quand même raisonner autrement. En tout cas, j'ai dit ceci. Dans tous ces gens qu'on nous a présentés, scandale sur scandale, personne n'est digne d'occuper ces postes-là. Le Sénat n'a pas sa raison d'être. Le Sénat, moi pour moi, je demande à Dieu de faire pleuvoir une forte pluie qui peut détruire cette salle-là. Comme ça qu'il ne siège même plus. Dis-moi ce que tu connais de Sénat, que le Sénat a fait depuis que le Sénat est Sénat en République démocratique du Congo. Rien du tout, mon frère. Merci beaucoup. L'argent mérite que nous puissions arranger les routes, que nous puissions développer les pays. L'argent ne peut pas servir, que nous servons à payer les gens qui gagneront ça inutilement. Donc je crois, le Sénat, ça ne sert à rien. Et les gens qu'on a mis là, personne n'a les profils. Merci. Et personne n'a la volonté de l'État. Personne n'a un passé récent de la gestion bonne qui peut mériter ces postes-là. Tous ces gens-là sont des génocidaires économiques et financiers de la République démocratique du Congo. Ils méritent soit la prison, soit l'enterrement plus rapidement pour avoir détruit notre nation. Très bien. Je ne les maudis pas, mais c'est la souffrance qu'ils ont soumise à la population. Mais, monsieur Jepitra, on retient quoi? On retient quoi dans une minute? Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que la vie politique de la nation va continuer. Je connais son cri de cœur sur le Sénat. J'ai déjà suivi l'excellence Steve Mbikai en train de vouloir battre en brèche l'existence du Sénat.
Mais maintenant, là, nous devons faire avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a course de poste au Sénat. Nous attendons voir qui va se présenter. Nous savons que la majorité revient d'abord à l'Union sacrée et puis après à l'UDPS comme parti politique. Mais nous aussi, nous en rappelons au bon sens et à la géopolitique et à l'équilibre de cette union sacrée. Sinon, si l'UDPS veut que les choses se fassent seulement selon son goût, je crois qu'il y aura beaucoup plus de difficultés. Encore qu'aujourd'hui, l'UDPS a déjà la primature avec Madame la Première ministre. Mais je voudrais aussi épingler un petit truc sur les détournements. Cher Jean-Pierre, les détournements, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a... Parce qu'on vole beaucoup. Non. Parce que désormais, il y a un shérif derrière. Non, Kouloutou, c'est parce qu'on vole beaucoup. Savez, laissez-moi parler, c'est mon tour. Très bien, allez-y. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un shérif autour de la gestion de la chose publique. Hier, on n'en parlait pas. Vous croyez qu'hier, on n'en volait pas? Il faut lire Luzolo Bambi. Vous allez voir, quand il était en train de dénoncer... Ceux qui disaient toujours qu'il y avait plus de 15 à 20 milliards. Il était ministre de la Justice, il avait arrêté qui? Non, il faut. Mais justement, je vous ai parlé ici de la volonté politique. Aujourd'hui, il y a un shérif derrière qui fait du bruit, c'est pourquoi on en parle. Et les gens ont comme l'impression que ce n'est que maintenant que les détournements se font. En tout cas, c'est maintenant même. Pas du tout. C'est parce que maintenant, on en parle trop. Il suffit qu'il y ait un petit mouvement, déjà, c'est déjà mis sur la place publique. Déjà, c'est déjà mis sur la place publique. Si. Je sais que vous aviez déjà l'âge. Vous pouvez voir dans les 5 ans du deuxième mandat de Kabila, on n'a jamais attrapé un détourneur. Vous croyez qu'il n'y avait pas de détournement? Il y en avait, mais seulement on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, on en parle tellement qu'on donne l'impression que le pays ne vit que du détournement. Pas du tout. Ça, c'est une mauvaise acception de la chose. Et moi, je vous invite à comprendre que désormais, maintenant, celui qui met la main sur le denier public, en tout cas... Il a du bruit derrière lui. Et quand on fait du bruit, ça ne veut pas dire que les gens sont en train de détourner seulement. Et donc, ça, c'est aussi une bonne précision que je voulais ajouter. Et donc, comme ça, j'ai salué l'action du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui, depuis son avènement dans ce ministère-là, n'oubliez pas qu'il est venu de l'opposition. Oui. L'opposition que lui, il appelle l'opposition républicaine. Je suis devant un républicain. Je crois qu'il comprend. Et donc, c'est quelqu'un qui fait un effort pour essayer de ramener les choses vers l'ordre. Parce que nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans une société humaine, donc il faudra que l'ordre ça, soit implanté. Et donc c'est une petite précision que je pouvais ajouter jusque-là. Kinshasa et Zobonga, c'est l'ambitieux programme présenté samedi dernier par Daniel Mbumba, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, nous apprend. La prospérité de ces programmes façonnera les 4 prochaines années, la capitale congolaise. Alors, cher Jean-Pi Ngalula, Daniel Mbumba a présenté son programme, son gouvernement investi. L'ère est présentement aux remises et reprises. À quoi peut aboutir la démarche et les programmes du gouverneur de Kinshasa? Nous nous sommes étonnés. Nous, on pensait que Mbumba était déjà chassé pour ne pas occuper ses postes par les chefs de l'État ou par l'Union sacrée. Vous m'apprenez avec beaucoup d'amertume qu'il est encore gouverneur de la ville de province de Kinshasa. C'est une information que je prends avec beaucoup de réserve parce que si ça risque de propager que c'est Mbumba qui est encore le gouverneur, ça risque de capoter sur la ville parce que les gens ne savent pas si réellement Mbumba rêvait ou Mbumba est surpris d'être gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a rêvé d'être, il est surpris ou il était vraiment préparé en âme et conscience, lui Mbumba, pour diriger cette ville. Ça ne m'étonne pas parce que quand vous regardez Mbumba, égale à Mama Soumino, Mama Soumino se retrouve tous deux autour de la vision floue de Félix Tshisekedi Tshilombo. Mbumba devient gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Tout premier diagnostic, peuple congolais, écoutez-moi bien. Le tout premier diagnostic
du malaise de la ville de Kinshasa, de tous les problèmes qu'il a trouvés. La première des choses, c'est que son bureau est sale. Monsieur le journaliste, vous mesurez ce degré de méprisance de la population. Bumba devient gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avec tous les problèmes que nous avons. Bumba fait son diagnostic, le départ pour commencer à ranger les villes, c'est d'abord que son bureau doit être luxe. Il envie le bureau du chef de l'État. Bumba veut se concurrencer avec le chef de l'État pour que son bureau soit élégant comme celui du chef de l'État. Et dans l'entretemps, est-ce que Bumba a-t-il vérifié? Et c'est pour ça qu'il est allé se loger à cette histoire de Hilton, où il a bousillé l'argent de la République inutilement comme ça. Nous nous posons nous la question. Avant de devenir gouverneur, il n'avait pas une maison. Il ne pouvait pas rester là-bas. Et c'est quelqu'un comme ça qu'on a investi. C'est une information. En tout cas, je suis désolé si c'est les députés provinciaux en âme et conscience ont investi Bumba. Ils allaient les mêmes jours sanctionner Bumba pour avoir saboté le poste du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Okay. Bumba commence par une violation. Deuxième activité de Bumba, il viole la constitution sur la mise en place du gouvernement provincial. Mettez 10, il y met plus de 10. Retirer, il ne veut pas. Il prend beaucoup de temps inutilement et enfin, il enlève. Quelqu'un qui commence dès le départ de violer la constitution, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? En dehors de ça, je ne sais pas. Le gouverneur, Alalaga, bien têtueux, a un problème, ni. Il vous somnole comme vous n'avez pas d'idée. Un mounimber. La ville risque qu'on ne pas diriger Bisson à Konimba Nimba tout moment. Je vous dis. Quelques minutes après, les caméras sont aussi très méchantes. En tout cas, on doit sanctionner ces caméramens. Okay. Quand il est en train de somnoler, aussitôt commencé, les caméramens le prennent et nous transmet en direct. Ça fait très mal. Le président de la République ne pouvait pas nous faire ça. Bumba égale à Ngobila. Mais version ancienne. Ngobila est une version améliorée. Ngobila, c'est une version ancienne de Bumba est la version ancienne de Ngobila. Parce que Bumba va détruire la ville plus que Ngobila. Bumba devient troisième faute de Bumba. Bumba devient gouverneur. La première personne à recevoir, Moussa Kindingo. Au lieu de recevoir les Kino pour écouter leurs problèmes. Et il a indingulisé toute la ville de Kinshasa. Troisième. Oui, il avait reçu Kindingo. Il n'est pas Kinois. Il est Kinois, mais quand vous le recevez, pourquoi? C'était ça pour les griffes. Les stars, il a fait ses aventures-là. Est-ce que c'était ça le spectacle que nous, on attendait? Deuxième, quatrième erreur de Bumba. Bumba, na Hilton, là où il est resté, alors qu'il n'a pas encore commencé, il a qualifié nos bureaux à nous de l'État sale. Et nous, nous vivons dans la salité. Lui accepte de vivre dans les luxures. Bumba doit nous faire les képis, les chapeaux, les chemises, les polos avec son griffe. C'est comme ça que j'étais en train de vous demander. Vous étiez en train de parler de quel Bumba investit. Bumba griffe ou Bumba humain? Parce que nous avons maintenant un marque d'habillement appelé Bumba. Les stars au sommet de l'État, les tâtonnaires, ils sont venus pour voler, ils sont venus pour détourner. Rien de la volonté du CD. Est-ce que Bumba il est devenu gouverneur? Accordez-moi 2 minutes. Allez-y. Bumba est devenu gouverneur. Bumba a déjà fait le tour de la ville de Kinshasa pour contempler, palper de ses propres yeux la situation réelle. Il parle de 11 millions à Ozongwapi. Tel va ventir à bateau. Donc, il y a un peu de mascara, mais nous tous, on n'est pas des femmes. Il va retirer cet argent, il aura cet argent là-haut. Et la confusion dans la vie de Kinshasa, c'est que Kinshasa est une province et Kinshasa est une ville et capitale. Il y a toujours le chevauchement de compétences entre le gouvernement national et le gouvernement provincial. Est-ce qu'il saura faire face à cela? Quand vous regardez Bumba comme ça, allez étudier la psychologie et regardez Bumba comme ça, faites la déduction réelle. Est-ce que vous pouvez croire à cela? Est-ce que Bumba sera en mesure de dire non aux pressions du gouvernement national? Je dirais non. Merci. Il ne sait pas là où il va mobiliser l'argent.
Nous, pour ce que nous pouvons demander, investir, oui, nous croyons, peut-être que Dieu peut les changer, peut-être que Dieu peut encore les délivrer, je peux dire aussi ça, parce que c'est aussi un chrétien. Peut-être que nos députés provinciaux pourront avoir la volonté et les pitiés de notre population quinoise. Et si ils sont dans leur intime conviction, convaincus que ces messieurs ne méritent pas, il y a bel et bien lieu qu'une motion pour les faire partir doit être introduite très vite et mettre Bumba hors état de nuire, choisir un bon gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Merci. Qui peut être capable, qui ne va pas exiger les bureaux de l'X, qui ne va pas nous amener les marques, les griffes, qui ne va pas tâtonner, qui ne va pas somnoler pendant qu'on parle des choses sérieuses. Merci. Je crois que nous avons dit. Merci beaucoup, maître Jean-Pierre. Alors, cher Jules Pitra, votre analyse par rapport, après l'investissement, structure du gouvernement Mbumba avec un chiffre un peu encourageant, 11 milliards. Monsieur Maître Jean-Pierre pose la question, est-ce qu'il peut mobiliser cet argent? Comment avez-vous accueilli son discours et puis les profils de son gouvernement? Merci beaucoup, cher Daniel. Nous avons tous suivi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, avait présenté et son programme et son gouvernement le week-end passé au niveau de l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il nous souviendra qu'il a eu beaucoup plus de temps, il a fait vraiment en retard, alors qu'au départ déjà, il avait eu un petit couac, lui ainsi que Kiaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, parce qu'ils avaient placé sur leur liste un pléthore, un nombre plus élevé que celui qui est reconnu selon la loi, et les ministres de l'Intérieur n'avaient pas manqué. Celui qui est patron de la territoriale n'avait pas manqué de les remettre à l'ordre. Mais nous l'avons vu patauger, piétiner pour refaire son gouvernement, le publier et ainsi passer devant l'Assemblée provinciale. Et nous pouvons que lui souhaiter un fructueux mandat. Mais nous sentons déjà que le départ a presque raté. Et quand on a mal commencé, généralement, on finit mal. Donc, mais nous souhaitons à ce qu'il réussisse, parce que les défis... Il a commencé mal, il finira mal, mais nous souhaitons. Quand même. C'était phraseologie. Il peut se rattraper à tout moment. Mais ça me inquiétant. Très bien. Je suis dans mon temps de parole. Est-ce que vous pouvez dire ce que votre cœur et le cerveau vous dit de dire? Et les Congolais pourraient être contents de vous. Très bien. Je ne suis pas obligé de vous faire plaisir. Pas moi. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. J'ai dit ceci. On a vu des gens mal commencer et bien finir. Mais Bumba a mal commencé. Nous souhaitons qu'il va bien finir. Parce que le maître ne peut pas nous faire croire que tout ce qui a mal commencé a toujours mal fini. Généralement. Il dit bien généralement. Donc, il y a une exception qui confirme la règle. Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit, j'ai entendu dans son programme parler de la modernité, la salubrité, la sécurité. Je crois que ce sont des mots qui rongent vraiment la ville de Kinshasa. Et s'il peut le rencontrer, je serai l'homme le plus heureux. Bumba, aujourd'hui, nous avons vu que dans sa difficulté de refaire le gouvernement, apparemment, il n'a pas le main libre. Bien évidemment, comme il l'a dit, la position qu'il a de gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est une position assez particulière par rapport à tous les autres gouverneurs. Apparemment, s'il n'a pas le main libre, il aura donc du mal à exécuter son programme d'action. Et donc, comme il était en train de le dire tantôt là, je crois qu'il faudra qu'il fasse tout pour s'émanciper de toutes les pressions possibles, surtout de son parti politique et des autres, pour essayer de réaliser son programme. Parce que quand il parle de 11 milliards, ce n'est pas impossible. Mais comment y parvenir? Ça, il faut avoir le main libre. Il faut être un bon manager. Il faut savoir faire des projections. Il faut savoir présenter sa crédibilité auprès des banques et des bailleurs de fonds. Et il pourra travailler. Mais maintenant, pour bien travailler, il faudra qu'il ait les mains libres et qu'il ait de bons animateurs autour de lui. Donc ça, c'est aussi une grande question. Moi, c'est pourquoi je disais ici que nous le souhaitons un fructueux mandat. Nous voulons qu'il aille de l'avant. Nous voulons qu'il donne le meilleur de lui. Parce qu'en tout cas, Kinshasa, aujourd'hui,
à l'entame ici, j'étais en train de me plaindre des pratiques qui se passent à Kinshasa. Mmh. Je crois que ça entre dans le cadre de ses prérogatives, qu'il essaye de travailler sur la salubrité, comme il a dit, la modernité de la ville, la transformation numérique, on l'attend aussi parce que nous sommes une ville moderne, mmh. une ville qui veut entrer dans la modernité. Nous attendons la sécurité, vous savez vous-même, avec cette histoire de Kulunga qui en a dans tout le coin de la ville. Et donc tout ça, nous l'appelons lui à travailler et à donner le meilleur de lui, mmh. à laisser en tout cas quelque chose que j'ai toujours demandé à tout celui qui a une parcelle de pouvoir dans le pays, à pouvoir laisser des traces pour que demain on soit capable de vous rappeler. Sinon, il ne faut pas être comme des gens quand on les gens disent non, pas celui-là, parce que quand vous êtes passé par là, vous n'avez rien fait. Quand vous en avez l'occasion, quand vous en avez l'opportunité, donnez les meilleurs de vous, parce que demain on pourra vous rappeler. Donc j'espère seulement que son programme n'était pas cosmétique et qu'il va se mettre au travail. Je révoque, je chasse tous les esprits qui veulent le mettre quand il dit que c'était un ancien Ngobila et autres. Oui, tout ça, je chasse la au nom de Jésus. La dernière version. Après que Bumba essaye de donner le meilleur de lui, il est jeune, je crois qu'il peut encore donner le meilleur de lui. Kinshasa attend ça, le pays attend ça, le peuple attend ça. Voir qu'il y a quelqu'un qui peut initier des réformes courageuses pour amener les choses vers le bien-être. Et ça, c'est possible. Il en a l'opportunité et à lui de le faire. Nous, nous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. On prend la dernière question qui est négociation RDC Rwanda, quoi peut aboutir la démarche. Maître Jean-Pi, nous avons vu le cessez-le-feu qui a débuté, mais il y a quand même l'avancée de l'ennemi. À quoi joue la communauté internationale? Merci. Le grand frère que je respecte beaucoup, parce que c'est ma toute première fois de rencontrer quelqu'un d'AREP avec cet cognostic irréprochable. Très bien. Il a démontré un niveau très élevé. Je crains que ça puisse être évaluable au même titre que le président de ce parti. Mais j'ai senti un niveau très élevé de cognostic. Très bien. Merci beaucoup. C'est louable quand même à cela. Et j'en ai aussi beaucoup profité. Mais écoutez, moi, je demeurerai radical à tout ce qui est mauvais. Et je serai flexible à tout ce qui est bon. Lorsque les choses s'annoncent très mal, et ça continue à aller très mal, on ne peut pas attendre que ça finisse pour que nous puissions dire. Nous sommes des gens baptistes. Nous crions déjà. Chef de l'État, députés provinciaux de la ville de Kinshasa, faites partir Bumba avant que le pire n'arrive. Qui n'a même pas encore. Vous ne pouvez pas monter dans un véhicule où le chauffeur est ivre, les freins posent un petit problème, vous êtes dans les descentes et on vous dit attendez qu'on arrive quand même. C'est très dangereux. Descendez cette chauffeur n'a quitté. Bozan a descente, n'est-ce pas? Frère Malongate, qui peut accepter de rester dans ce véhicule? Nous nous disons parce que nous ne voulons pas qu'il arrive à finir comme Ngobila. La République fonctionne, la res publica fonctionne avec le processus de continuité. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez travailler, laisser bien à même un peu du mal pour que l'autre qui vient, rapidement il corrige, il avance. C'est comme ça que les pays vont développer. Ce n'est pas celui qui vient, il détruit, c'est lui qui va venir. Il dit, il va commencer d'abord, soit à arranger ou à continuer. C'est là que le pays tourne en rond. Okay. Mais Bumba, déjà en les voyant, c'est un mauvais chauffeur. Donc il doit descendre de ses véhicules pour que, chers députés provinciaux, Boyoke Labissomawa. En tout cas, s'il vous plaît, Boyoke Labissomawa, mettez ces Bumba ici de côté, bien avant. Comme vous l'avez investi, la semaine prochaine, motion, monsieur va rester à 10e rue ou aller travailler avec Kabuya. Mon frère, la question de l'Est, ça a été clair. Nous avons un problème de la diplomatie et de notre contrariété de position prise par rapport à cette situation. Nous disons que c'est Rwanda qui nous agresse derrière les M23 et tout consort. Et les M23, ce sont des Rwandais. Ça, c'est notre thèse. Dans la majorité, ce sont des Rwandais.
Et pour ce faire, étant qu'ils sont des Rwandais, nous devons négocier avec le Rwanda et non les M23. Pendant que le Rwanda est en train de s'inquiéter de cela, nous nous organisons un procès contre ceux qui tuent à l'Est. Et ces gens-là, ce sont qui nous les déclarons Congolais. Donc l'hypothèse de dire que c'est le Rwanda qui nous agresse risque de tomber dans l'interprétation logique. Ce qu'il faut faire, il fallait peut-être, comme Maman Rose Mutomba avait porté la plainte sur le plan international à la CPI, il fallait continuer avec cette démarche-là, prenez ce qu'on a arrêté, les acheminer là-bas. Comme nous sommes pays membres aussi de la CPI, signataires, on devait acheminer ces gens-là là-bas. Comme ça, l'hypothèse de dire que le Rwanda nous agresse devait demeurer. Mais à ce jour maintenant, c'est comme si c'est un problème congolais, congolo-congolais. Et qu'on est en train presque de dédouaner un tout petit peu Rwanda. Ce qui n'est pas ma position. Ce qui revient à dire, dans l'entretemps, nous disons la position de l'RDC, on ne négocie pas. Mais sur les tables de négociation, nous les voyons. Non, on ne va pas négocier. Les Rwandais vont écouter la force des armes. Mais quand on dit, mettez la trêve, vous mettez. Zone de tampon, vous acceptez. Qu'est-ce que nous voulons juste? Cette guerre va finir comme ça? C'est comme un enfant qui va aller dire, na mutwade fisarabango mapa, papa na biso futa kanyongote. Voulez-vous que cette maman-là vous donne encore? La communauté internationale joue les sales jeux que notre diplomatie joue. Je dirais ça, Ndeko Nangai. Je n'ai pas de mots à dire. Quelle est la diplomatie claire par rapport à cela? Quel est notre pays allié au Conseil des Nations Unies? Il n'y en a pas. Le Rwanda est petit. Regardez même quand le Rwanda célèbre leurs affaires de génocide au Rwanda. Faites les titres comparatifs avec ce que nous, on a célébré. Je salue cette initiative. Je salue mon frère Kissa Costa Mutamba, un ami que je connais, qui me connaît aussi bien. Je salue ces efforts-là. Mais regardez seulement, même les cadres même avec le Rwanda. Et regardez même les invités qui viennent. Même la portée internationale que cela donne. Nous, nous sommes ailleurs. Ce qui revient à dire, moi pour moi, j'ai dit noir sur blanc, vaut mieux un mauvais arrangement, vaut mieux un mauvais dialogue que la continuité de cette guerre. Ça ne nous sert à rien. Nanga est jugé ici, c'est le même Nanga qui continue à prendre les territoires. Je crois hier, j'ai vu sous réserve, en trop conditionnel, il semblerait qu'ils ont encore un territoire. C'est le même Nanga que nous jugeons ici. Nous jugeons Nanga, on dit que Nanga est en fuite. Nanga sur le territoire congolais. Presque une aventure ou un théâtre. Nanga sur le territoire congolais, on dit qu'il est en fuite. Et dans l'entretemps, le même Nanga qui est poursuivi, condamné ici, Nanga continue à avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne loue pas l'aspect des dialogues, mais je loue au chef de l'État avec son diplomatie de revoir un peu les tirs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller au dialogue? Et ces dialogues, je l'appelle toujours à double degré. On commence d'abord à faire ces dialogues ici au Congo. Nous-mêmes les Congolais, on se réunit autour d'une seule question, pas partage de gâteaux, autour d'une seule question, question de l'Est. Monsieur Ngaloula, qu'est-ce que vous dites? Kabila, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes longtemps bouche fermée sur cette affaire. Moïse Katumbi, et toi, ma Fayoulou, manifeste des scellés, amenez quand même ces histoires-là. Tel venez, on se réunit. Chers amis, la sécurité et la défense de la nation, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas de majorité. Est-ce qu'on peut réfléchir pour dégager la solution? Ok, notre frère Félix, voici notre solution que nous souhaitons. Il prend ça, il amène ça sur le plan international avec un dialogue franc avec son ami, son frère et son ami, Kagame. Merci beaucoup. Alors, quand il va amener chez Kagame, parce que le problème, c'est que si à l'interne, on est unis, mon frère, l'ennemi sera faible. Mais si à l'intérieur, on est divisé, l'extérieur va nous dominer. Donc, on doit d'abord réunir l'interne pour affaiblir l'extérieur. Et pour réunir l'interne, nous devons aller à un dialogue congolais-congolo pour parler. Et l'ennemi sera faible. Nous allons proposer à l'ennemi, l'extérieur, notre recette. Et je crois il va l'accepter parce qu'il sera à ce moment-là très faible. Très bien. Donc, au président de la République d'appeler un dialogue sur ça. Vaut mieux un mauvais arrangement, vaut mieux un mauvais dialogue
qui est une longueur qui coûte beaucoup et qui détruisent les pays et qu'on tue, on tue, on tue, on tue, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gilles, pour Maître Jean-Pi, les problèmes sont beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut d'abord commencer. Vu que le front diplomatique a échoué, est-ce qu'on peut se mettre d'accord autour d'une table et partager? Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette démarche? Merci beaucoup, Daniel. Je salue la lucidité de mon frère Maître Jean-Pi. Mais par rapport à tout ce qu'il est en train de dire, il y a une dimension peut-être qu'il n'arrive pas à cerner ou à pénétrer. C'est que la diplomatie est en marche et on n'en aura jamais assez. Mais vous savez que toute diplomatie a comme sous-bassement le rapport de force. Il n'y a pas de bonne diplomatie quand on n'a pas un bon rapport de force. Je crois que c'est à cela que mon pays s'est attardé depuis maintenant plus de 2 ans, 3 ans, où on a essayé de renforcer l'appareil militaire de mon pays, l'appareil sécuritaire, qui a été jonché comme ça de beaucoup de infiltrés et autres. Vous savez que c'est ça un travail qui a été fait. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Quand on a le pouvoir passé, le pouvoir de Kabila par exemple, c'est créer un arrangement avec ces gens-là qui exercent la prédation dans notre pays. Ils se sont mis d'accord et désormais donc, nous étions comme en train de vivre comme dans une situation d'occupation, mais dans un arrangement. C'est là où je crains, c'est que demande Maître, qu'il faut un bon arrangement, même un mauvais arrangement, mais que les gens soient en paix. Non, qu'il y ait une longue guerre, il ne faut pas arrêter. L'apparente paix que nous avons vécue, c'était une occupation. C'est que tous les services de l'État devaient être occupés par les gens qui venaient du Rwanda et autres. Et les services de sécurité, l'armée, la police, la DGM, le FIDA, tout ça, tous ceux qui suivaient les frontières devaient être occupé par une certaine tribu, c'est alors que nous avons vécu cette apparente accalmie. Alors maintenant, le pouvoir actuel fait le choix. Est-ce qu'il faut accepter cette accalmie-là qui nous ronge, qui fait une certaine occupation totale, ou il faut s'émanciper totalement? Et quand il faut faire le choix de l'émancipation, et donc c'est une grande lutte que vous menez aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Parce qu'il y a des exploitations qui se font dans notre pays et qui ne nous font, où nous ne gagnons rien. C'est cela le combat. Regardez par exemple, il y avait un cessez-le-feu qui avait été réclamé par Luanda. Luanda, c'est par rapport à l'accord de Luanda, vous vous rappelez, Luanda a réuni comme ça les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays. Et un cessez-le-feu a été demandé. Mais après, pendant la période de cessez-le-feu, on voit que des violations successives sont en train de continuer. Pourquoi? Parce que les autres sont dans un agenda qui veut qu'il faut que le chaos soit instauré et je dirais même institutionnalisé. Il faudra jeter la peur aux yeux de la population. Il faut que cette population quitte même les villages dans lesquels ils sont pour qu'eux, ils amènent leur peuple venir de leur pays pour habiter ce coin-là. C'est ça le combat que nous avons aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de travailler à ça. Et comme ça leur permet de piller, ils sont en train de piller. Et aujourd'hui, vous avez vu que la diplomatie du chef de l'État est allée à traiter avec le bailleur de fonds, ce genre-là. Parce qu'il faut comprendre cette histoire dans trois niveaux. Il y a le bailleur de fonds, ceux qui poussent le multinational à venir exploiter chez nous. Ces gens-là n'ont pas de couleur, n'ont pas d'État. Et ce qui compte pour eux, c'est exploiter, piller nos ressources. Mais ils ont leurs sous-traitants, le Rwanda et l'Ouganda par exemple, mais qui travaillent de connivence avec des exploitants qui sont dans notre pays. Et c'est ça le malheur que nous avons. Donc à tous les niveaux, comme ce sont des djendas, comme on dit en Lingala, des affaires qui rapportent de gros sous, et les gens cherchent toujours à trouver des moyens pour essayer d'exploiter les richesses qu'il y a dans mon pays. Mais moi je crois que si nous voulons nous en sortir de cette situation, c'est que nous devons tenir mais un peu plus longtemps. Parce que sinon, le combat va continuer, les exploitations vont continuer. Et ce qui se passe, quand on lui dit que
On est en train de condamner Nanga à, à l'interne, alors qu'à l'international, ce n'est pas le cas. Regardez, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à la période de Mbosso, où on a dit qu'il n'y aura plus de, cette histoire de mixage, de brassage et autres. Et ça, ça le met eux en difficulté. Parce que c'était ça leur politique, leur pratique de toujours. Ils vous font la guerre, vous faites un dialogue, vous décidez un mixage, un brassage, et ça leur permet de vous intégrer, de vivre avec vous. Et mais depuis qu'on a fermé ça au niveau de l'Assemblée nationale, ça les a mis en difficulté. Et même le procès qu'organise maintenant le ministre de la Justice contre ces gens-là, ça les met une fois de plus en difficulté parce que nous en avons d'ailleurs eu les échos parce qu'au niveau de la trésorerie américaine et autres, nous avons vu que les sanctions ont été faites contre ces gens-là par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, je crois que c'est un travail de longue haleine. Mmh. C'est un travail qui ne produira pas de résultats du jour au lendemain. Mais c'est que l'âme, le Congolais devait rester réuni, soudé, pour que ce travail de longue haleine aille jusqu'au fond. Et c'est à ce moment-là que nous allons nous émanciper de l'occupation de l'Est. Parce que c'est un grand plan, un grand projet qui vise à ce que nous nous restions désormais et éternellement exploités par ces gens-là, avec la bénédiction de bailleurs de fonds et des sociétés multinationales. Merci beaucoup. Alors, Maître Jean-Pierre, dans 30 secondes, on retient quoi on a fini pour aujourd'hui. Il faut retenir sur les deux sujets très importants et pertinents que nous avons parlé. Il faut retenir que nous avons commencé avec les sujets sur le Sénat. Mmh. Il faut comprendre que ma position et la position de toute la République démocratique du Congo, c'est l'abolition et au besoin maudire cette histoire et celui qu'il avait créé pour le Congo et la détruire pour définitivement. Budgétivore, ça sert à rien. Et ceux qui ont postulé aujourd'hui, personne n'en a les mains propres et personne ne peut incarner la volonté de la population ou les soucis de la population. Et dans ce casting-là, personne ne vaut. Personne n'en a la qualité, personne n'en a... Donc en tout cas, ça sert à rien même que nous parlons de cette histoire-là. Mais c'est risquant. Le chef de l'État doit faire très attention parce que c'est le président de cette Sénat-là qui peut risquer de le remplacer. Je ne souhaite pas. Le chef de l'État est malade. Son état de santé est un peu inquiétant. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il a été transféré par le médecin d'ici. C'est-à-dire que la santé est un peu inquiétante. Alors, on ne souhaite pas. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le monde, qu'on peut décider tout de suite là, non, il faut qu'il y ait l'intérim au sommet de l'État. Qui va prendre ça? Et c'est risquant, c'est risquant. Il va prendre, qui va prendre? Le président du Sénat, là, c'est lui qui va occuper. Il faut bien étudier les tirs, et étudier, et calculer, et recalculer. Allez voir les féticheurs et les pasteurs et les prophètes pour bien vous dire qu'en politique, il n'y a pas de cadeaux. Et là, tout le monde en politique est loup. Il n'y a pas des agneaux. Deuxième sujet sur Bumba, je demande en toute urgence à la conscience, je mobilise la conscience des députés provinciaux de la ville de Kinshasa, mettez la motion, chassez Bumba. Tout court. Il n'y a plus. Le délai est largement passé. Nous courons vers l'expiration de le voir aux yeux sur cette histoire. Il doit partir. Il annonce l'incompétence et l'échec grandissante. Nous ne pouvons pas laisser que le tout soit beaucoup creusé pour venir plaire que Bumba a laissé la ville en désordre et Ngobi l'avait laissé en désordre, Kimbout avait laissé en désordre. Il faut casser, il faut arrêter aussi certaines choses avant que le pire n'arrive. Merci. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre Dalula. Monsieur Jules Pitra, dans 30 secondes, nous avons fini. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous nous demandons à l'UDPS, parti majoritaire au Sénat, dénominateur commun de l'Union sacrée, de pouvoir se ressaisir et de colmater le brèche pour essayer de créer une certaine cristallisation dans le groupe, parce que l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est quand on va en ordre dispersé, ça augure peut-être une implosion demain, ce qui ne sera pas bien pour le pays. Ça, c'est en matière de Sénat. En matière de Bumba, Bumba, nous lui souhaitons sa chance. Ouais, plein succès à lui, qui se mette au travail. Les débuts ont été difficiles, mais il peut se ressaisir. Il peut donner le meilleur de lui-même. La ville a beaucoup de problèmes de sécurité, de salubrité. Et ça, il faut beaucoup y travailler.
Et en ce qui concerne les problèmes de la guerre internationale, tenons bon. Tenons bon, je crois que c'est l'occasion pour nous de nous émanciper. Sinon, nous resterons éternellement occupés par le gouvernement de l'Est Afrique. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de ces magazines. Merci à vous, chers messieurs, pour votre participation. Mesdames, messieurs, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.